This is the moment for those who... Télé, générique. Une touche de féerie palpable dès les premières secondes. Oui, ce générique est le point de départ d'une émission qui change la vie. Vous aussi, vous avez gagné? Oui. 10 francs la croisière, c'est le rêve, non? Oui, c'est magnifique. Dîner aux chandelles, dancing, le petit bonheur. Qui n'a jamais rêvé d'avoir les 3 télés? Pas dans sa voiture, pas dans sa maison, 3 ça fait beaucoup. Non, plutôt sur un billet de jeu à gratter. 10 francs, c'est le prix du fameux billet à l'époque où les 3 télés vous envoient directement sur le plateau du jeu, le millionnaire. La roue décide ensuite, ce sera 100 000 francs de gagné pour le moins chanceux des chanceux. Si la chance accompagne l'heureux élu jusqu'au bout, son gain atteindra 1 million de francs. Avant de tourner, il faut détendre l'atmosphère. Philippe Risoli jusqu'en 1999, puis Roger Breton se succèdent à la présentation. Leur point commun, toujours le bon petit mot sympa. Les 30 ans de mariage. Et si ma mémoire est bonne, les 30 ans de mariage, c'est les noces de perles. Oui, tout à fait. Enfin, moi, je les ai fêtées il y a bien longtemps déjà, c'est fini. Plus de perles. Des perles, il y en a. Certaines fois, animateurs et candidats partent en fou rire. Et puis, arrive le moment fatidique. Le public applaudit et encourage à coups de « le million, le million, le million », une phrase restée culte, ou d'autres fois, un groupe reprend une chanson le temps que les 3 tours de roue réglementaires soient effectués. 3 tours de roue, je vous rappelle, et puis bonne chance, devenez millionnaire. Allez-y. Voilà sur les prix. À Alexandrie ou ailleurs, ils sont nombreux à être partis grâce à l'argent offert par la roue du millionnaire. En 1992, lors de sa plus belle année, l'émission réunit 50% de parts de marché. Belle audience et phénomène de société, il se vendait cette année-là plus de 80 millions de tickets par semaine.